Deux mois après la disparition du plus célèbre des rockers français, le clan Hallyday se déchire au sujet de son héritage. Lundi 12 février, la fille du chanteur, Laura Smet, a annoncé qu'elle comptait contester devant la justice le testament de Johnny Hallyday qui prévoit de léguer l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à sa dernière épouse Laetitia. Une demande partagée avec son demi-frère David Hallyday dont l'entourage assure que la guerre aurait pu être évitée, rapporte Le Parisien. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Assure un proche du fils aîné de Johnny. Mais il est privé de tout, constate-t-il. Une situation inédite en France où le droit interdit de déshériter l'un de ses enfants. Pourtant, la bataille de David et Laura s'avère compliquée. Le testament de Johnny Hallyday, réalisé en Californie, est bien conforme au droit américain qui prévoit la possibilité de léguer la totalité de son héritage à la personne de son choix. Si Laetitia Hallyday va devoir prouver son attachement aux États-Unis, Laura et David devront quant à eux justifier d'une situation économique de précarité ou de besoin pour pouvoir espérer remporter la bataille.